Alors, mon coup de cœur de l'aventure, qui est genre comme ma meilleure amie aujourd'hui, bah, c'est Fidji. Fidji? Ouais. Ah oui, c'est vrai? Ouais, vraiment. C'est une fille incroyable. Franchement, j'ai trop d'amour pour Et elle, vous trop aviez un point d'affection. commun? Et on avait un point commun, c'est qu'on est toutes les deux arrivées en étant avec nos ex. Eh oui. Donc, Et un ex que vous ne forcément, supportiez plus. voilà. Mais Ça rapproche forcément. ça rapproche, mais franchement, franchement, c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai apprécié énormément. Et à contrario, avec qui c'est pas passé? Avec qui t'as eu du Carla, mal? donc Carla? Ah oui, tu n'as pas Carla. hésité. Et mais c'est marrant, pourquoi vous dites toute Carla, toutes et tous? Bah, parce que Carla. Parce que Carla, c'est Carla, Tout le quoi. monde se plaint de Carla, ça j'aimerais bien comprendre, c'est intéressant ce que tu dis. Ah, mais franchement, pour moi, elle est insupportable. En plus de ça, elle est stupide. Donc, j'ai rien d'autre à dire sur elle. Elle sert à rien, quoi. Donc Vraiment. c'est pas passé, c'est électrique entre vous? Ah, ne me souviens pas que c'est électrique, en fait. C'est que moi, personnellement, je la supporte pas. Elle, personnellement, elle ne me supporte pas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui la supportent. Donc, en tout cas, je félicite les personnes qui arrivent à supporter Carla. Mais c'est dès le début que ça n'a pas fonctionné entre vous? Bah, au final, c'est vrai que bah, Kevin, il a dit que bah, j'étais plus ou moins son style, hein. Oui. Donc, ce qu'on a Ah, vu bah oui, juste avant. forcément. Forcément, elle a Donc, été un petit peu jalouse, c'est ça? forcément, évidemment, bah, je me pose problème de base. Donc, je pense que frustration, jalousie, fait que forcément, on n'allait pas s'entendre, elle et moi. Elle te l'a fait comprendre qu'elle avait des craintes par rapport à toi? Parce qu'elle avait encore, concrètement, elle était encore amoureuse de Ah non, mais Kevin. même là, aujourd'hui, elle est toujours amoureuse de Kevin. Hein. Ça fait 4 ans, la nana, Là, par qu'on est exemple, amoureux de aujourd'hui, à la Kevin. conférence de presse, elle t'a dit bonjour? Non, on se dit pas bonjour. En fait, moi, je suis arrivée hier, je l'ai croisée. J'ai dit bonjour à tout le monde. Elle, non, je ne lui dis pas bonjour. Je ne t'aime pas, je ne te dis Et pas pour bonjour. toi, 4 ans après, elle est toujours amoureuse de Kevin. Elle est amoureuse de Kevin, c'est sûr. Bon, après, franchement, c'est triste parce que d'être amoureux de quelqu'un et que cette personne ne vous aime pas en retour, c'est la pire des choses. Donc, je ne lui souhaite pas du tout ça. Et toi, il a tenté quelque chose avec toi, peut-être pour la rendre jalouse, Kevin? Je pense. Faut regarder les épisodes. Bah, en même temps, on sait que c'est un jaguar. Ouais, mais moi je suis une fille très bien et qui se respecte, donc voilà, si je ne suis pas en couple, tu n'as rien de moi. T'es célibataire aujourd'hui? Je peux pas te répondre. On ne sait pas, tu me gardes le suspense. C'est ça.